yemba zambo zamalamu tikangai na yemba zambo zamalamu uzamalamu 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 uzamalamu. Shalom peuple de Dieu, encore une fois nous sommes chez vous pour partager ces messages de la part de Dieu en ce nouveau mois d'août, ce mois de joie, ce mois de victoire, ce mois de faveur divine. Que Dieu soit loué pour nous avoir acceptés tous dans ce mois. Mais avant d'aller très loin, nous voulons prendre quelques minutes dans la prière. Père très saint, merci de nous avoir introduits dans ce nouveau mois, de ce mois d'août. Merci pour les bonnes choses, les grandes choses que tu nous réserves durant ce mois. Nous recommandons ces instants ta grâce. Inspire-nous, parle à travers nous, communique-nous ta pensée durant ce mois, afin qu'au terme de ces messages, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, peuple de Dieu, nous sommes très contents de partager ces messages avec vous. Vous savez que nous étions dans ce grand chapitre sur le combat contre le coronavirus. Et nous sommes arrivés dans ce sous-chapitre de l'alliance particulière avec Dieu. Bien-aimés, et nous avons dit combien c'est très important d'être dans une alliance avec Dieu, parce que cette alliance a une portée incroyable. Nous avons vu comment Dieu, à travers l'alliance de la croix, cette alliance universelle, cette alliance pour sauver l'humanité, cette alliance a mis à notre disposition tout un paquet de promesses qui sont accessibles à chaque enfant de Dieu. Dieu, le Dieu de la Bible, nous a trouvé digne de recevoir la force divine. Il nous a trouvé digne de recevoir la richesse. Il nous a trouvé digne de recevoir la gloire. Il nous a trouvé digne de recevoir la sagesse, l'honneur, la louange, tout un paquet qui sont disponibles pour quiconque croit, pour quiconque veut marcher avec Dieu dans cette nouvelle alliance. Et nous avons vu que dans cette alliance universelle, il y a aussi une possibilité d'avoir une alliance particulière avec Dieu. Quelque chose que vous et Dieu, vous allez faire. Parce qu'une alliance, c'est cet engagement entre l'homme et Dieu, un engagement scellé par un serment. C'est pourquoi chaque fois que Dieu scellait une alliance avec l'homme, Dieu jurait. Et nous aussi, quand nous scellons une alliance avec Dieu, nous le faisons avec un serment, comme nous l'avons vu pour le cas de Judas, qui, après avoir traversé une période de troubles, s'est engagé avec serment de rester fidèle envers Dieu, d'honorer Dieu. Ils se sont engagés à éliminer tout ce qu'il y avait comme abomination dans leur pays. Et gloire à Dieu, après avoir scellé cette alliance avec Dieu, la Bible dit, Dieu leur a donné la paix de tous côtés. Il est merveilleux quand on marche avec lui dans une alliance. Et nous voulons ce matin partager quelques avantages liés à cette alliance divine, une alliance particulière avec Dieu. Et pour bien comprendre ce message, nous allons lire quelque chose dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Job, au chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Job 22, 21 au 23. La Bible dit: Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur
Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Que notre Dieu bénisse sa parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce livre de Job, c'est un livre très important, un livre très capital. Nous connaissons la vie de Job. C'était parmi les hommes les plus riches de l'Orient, les hommes que Dieu avait bénis. Il était vraiment bien considéré. Et Dieu a même donné un témoignage sur lui pour demander à Satan, « Est-ce que tu as vu mon serviteur Job ? Il n'y a personne qui soit intègre comme lui sur la terre. » Dans la langue, on a vu comment, après, il a tout perdu. En un seul jour, il a perdu tous ses enfants. En un seul jour, il a perdu tous ses biens. En un seul jour, il a perdu la santé. Tout s'est arrêté. C'est comme la lumière venait de disparaître pour céder la place aux ténèbres. Il a passé les plus mauvais jours de sa vie. Ce n'était pas facile. Mais à travers ce texte, quelqu'un vient lui dire, écoute Job, attache-toi à l'Éternel. Malgré tout ce qui est arrivé, malgré tout ce que tu as perdu, malgré l'état de ta santé, mais il y a encore une possibilité. Il lui dit, attache-toi, reste attaché à Dieu, reste dans cette alliance avec Dieu-là. Et il lui dit, si tu restes dans cette attente, dans cette alliance avec Dieu, voilà, il y a des avantages liés à ça. Tu n'as pas intérêt à abandonner parce que tu as traversé des moments difficiles. Tu n'as pas intérêt à quitter Dieu parce que tu as perdu tes enfants, parce que tu as perdu ta richesse, parce que tu as perdu la santé. Et on lui montre comment, en étant attaché à Dieu, qu'est-ce qu'il peut encore bénéficier. La première chose, on lui dit, si tu restes attaché à Dieu, tu auras la paix, Job. Job, c'est possible d'avoir la paix. Tu as servi Dieu, tu es resté intègre. Oui, il y a ce qui est arrivé, mais il y a la possibilité de bénéficier de la paix de Dieu. Bien-aimé, quand la paix vient, elle éloigne la peur. Beaucoup de gens sont tombés à cause de la peur. Même lui-même, Job, malgré qu'il était béni, il était l'homme le plus riche de l'Orient. Mais la Bible nous dit que Job avait une faille dans sa vie. Il avait la peur de voir ses enfants tomber un jour dans le piège, la peur de perdre certaines choses. C'est pourquoi quand ses enfants sortaient, il avait toujours peur que peut-être ses enfants ont commis des péchés et que quelque chose de grave pouvait leur arriver. Plus tard, il nous dira que ce que je craignais, c'est ce qui est arrivé. Ce que j'ai redouté, c'est ce qui m'a atteint. Pourquoi? Parce que la peur, c'est un signe qu'il n'avait pas totalement confiance à Dieu. Et on lui dit que si tu restes attaché à Dieu, si tu restes dans cette alliance particulière avec Dieu, Job, le Dieu de la Bible, va te donner la paix. Comment on peut garantir à quelqu'un qui a tout perdu, lui garantir la paix? Oui, c'est possible dans ces moments difficiles de COVID, dans ces moments difficiles de récession économique, dans ces moments, quel que soit ce que vous pouvez être en train de traverser maintenant, quel que soit le moment que vous vivez, les moments compliqués, mais il est possible que le Dieu de la Bible puisse vous donner une paix que le monde ne peut pas vous donner, que l'environnement ne peut pas vous donner, que les amis ne peuvent pas donner, que la famille ne peut pas donner. La première chose dans cette alliance, vous aurez la paix. La deuxième chose, on lui dit ceci, Job, reçois les instructions divines. Prends la parole de Dieu, mets-la dans ton cœur. On lui dit, Job, si tu reçois les instructions, ces instructions vont t'aider à être rétabli. Il y a des choses qui arrivent quand on est dans cette alliance particulière avec Dieu. Le Dieu de la Bible va vous donner les instructions.
Il va vous donner sa parole. Et ces instructions vont vous aider à voir comment vous pouvez d'abord, un, être rétabli dans votre santé parce qu'il avait perdu la santé. Il fallait qu'il récupère la santé. On lui dit, Job, reçois les instructions. Le problème de la santé, c'est un petit problème. Si tu reçois les instructions de Dieu, tu vas récupérer la santé. Gloire à Dieu. Avec une alliance particulière avec Dieu. Même si la santé s'était détériorée, même si la médecine a dit que c'est un cancer, même si la médecine a dit que c'est le COVID, même si la médecine a dit que c'est une maladie incurable, même si la médecine a dit que non, c'est la tension, c'est l'AVC, myome, fibrome, stérilité, je ne sais quoi, mais il y a des instructions, il y a toujours une parole que Dieu va vous donner qui va vous permettre de récupérer, d'être rétabli dans la santé et de voir la maladie aller loin de vous. Parce que le Dieu de la Bible nous a rassuré quelque chose de très capital. Il nous a dit, vous me servirez, je bénirai votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est possible de voir une maladie déclarée incurable sortir et disparaître de votre corps par la main puissante de Dieu, par la grâce divine, à cause de votre attachement à Dieu, à cause de cette alliance particulière avec Dieu. Donc, la deuxième chose que nous pouvons bénéficier, c'est la santé divine, c'est la guérison. Le Dieu de la Bible guérit toute maladie. Le Dieu de la Bible rétablit n'importe qui dans sa santé. On a vu dans la Bible plusieurs personnes, même les morts, ressuscitées, parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui guérit. Gloire à Dieu. Cette alliance rétablira quelqu'un d'entre vous dans sa santé. Vous qui me suivez, vous qui êtes en train d'écouter cet audio, cette vidéo, peu importe la maladie, peu importe la maladie, mais à cause de votre attachement à Dieu, de cette nouvelle alliance avec Dieu, vous pouvez être guéri. C'est possible. Croyez seulement et ce mois d'août, ce sera un commencement de nouveau chapitre de votre guérison et de votre santé. La troisième chose, on dit, reçois les instructions. Tu seras rétabli financièrement. On dit, ok, c'est possible. Job, reçois les instructions. Écoute Dieu. N'écoute pas seulement les amis. N'écoute pas l'environnement. N'écoute pas ce que le monde est en train de te dire. Mais si tu reçois les instructions, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu mets ça dans ton cœur pour pratiquer cette parole, tu seras rétabli financièrement, matériellement. Oui, il avait tout perdu, mais l'instruction de Dieu peut les rétablir. Voilà pourquoi, quand on est dans une nouvelle alliance, dans une alliance particulière avec Dieu, il y a des instructions, il y a des recommandations qui peuvent vous aider à vous rétablir financièrement. On vous parlera de la loi, de la semence, de la semaille et de la moisson. On vous parlera de comment donner pour recevoir. On vous parlera de comment s'aimer pour récolter. Et la Bible dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Il y a toujours des instructions. Et quand vous êtes attaché à ces instructions, quand vous suivez intégralement ces instructions, vous serez rétabli. On lui a dit que Job, c'est possible. Reçois seulement les instructions. Mets en pratique ces instructions. Tu seras rétabli. Gloire à Dieu. La troisième chose, l'avantage que la grâce vous donne, la troisième chose, c'était ça, être rétabli dans sa richesse, dans ses biens matériels. Et Job a compris. Et la quatrième chose, c'était que Job pouvait encore revivre très longtemps, pouvait être rassasié de jours et avoir une vieillesse heureuse. Et c'est ce qui est arrivé lorsqu'il a reçu les instructions et qu'il a mis ces instructions en pratique. Il a été rétabli et s'en est allé après une heureuse vieillesse.
Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible promet toujours une longévité à ceux qui le servent. Et nous avons vu les grands patriarches qui sont allés après une hérèse vieillesse. Peuple de Dieu. Il y a des gens qui, au soir de leur vie, ils terminent, ils deviennent agités. Ils ont une vieillesse troublée. Mais avec le Dieu de la Bible, vous aurez une hérèse vieillesse. Pourquoi? Parce que vous l'avez servi. Parce que vous êtes resté attaché à lui avec une alliance particulière. J'ai garanti à quelqu'un qu'en ces mois d'août, quand vous allez commencer à mettre en pratique ces instructions divines en rapport avec votre alliance particulière avec Dieu, vous n'aurez pas une vieillesse troublée, mais vous aurez une vieillesse, une heureuse vieillesse. Pourquoi? Parce que la mort précoce sera derrière vous. J'ai prié pour que vous et votre famille, que vous soyez épargnés de la mort précoce. La Bible dit, l'homme des biens a pour héritier les enfants de ses enfants. Je crois, par la grâce de Dieu, que vous verrez non seulement vos enfants, mais vous verrez aussi les enfants de vos enfants grâce à cette alliance particulière avec Dieu. J'ai prié pour que ce mois de août ouvre un nouveau chapitre dans votre vie, que ce soit un commencement de quelque chose de nouveau. C'est pourquoi je vous demanderai à chacun de rester attaché à Dieu et d'avoir un rêve pour ce Dieu-là et d'accomplir ce rêve. Marchez avec Dieu et il marchera avec vous. Soyez bénis, soyez en bonne santé et prospérez à tous égards. Je vous aime bien. Christ vous aime. Si vous ne l'avez jamais reçu dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, voici une occasion. Revenez à lui. Acceptez-le dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et rejoignez-nous par l'adresse qui vous est affichée. Nous serons contents de vous recevoir et de partager la parole avec vous. Soyez bénis, que le Dieu de la Bible vous bénisse et à la prochaine.